tiens, un camion, bim, hop, et toc. Bonjour, bonsoir et bienvenue sur Arsenus TV. On l'a eu, c'est bon? Oui. Ok, je suis avec Davian et bien évidemment... Oh là, oh là, oh là, on a très très mal atterri, c'est pas grave, on s'en fiche. Ils sont où les méchants? Ils sont morts? Ah, il y en a un qui nous fonce dessus. Oh! Ouais, moi aussi. Ça vient. Ouais, ça vient ici. Hop, et voilà, on essaie de terminer les missions de campagne. Oh la vache, c'est un balèze. Oh putain, en plus, je suis en train de me faire cramer par le... Ah, on s'en fout. Joli. Bon, je pense qu'on est tranquille. Non, il y a un autre truc qui vient. Du loot. On a un mec derrière qui appelle les renforts. Ah oui, eh ben on va s'en occuper. Ok, j'ai eu le chef là. Attends, les renforts, où qu'il est. Voilà, c'est bon. Mais on n'avait pas... Oh bah attends, il y a un camion de munitions là, on va y aller. Il y a un méchant qui m'a venu. Non, derrière. Ok. Bien. Silencieux. Parfait, parfait. Et il y a un... Bon, c'est un sous-brésil. Ouais, bon. Bon, on va chercher le camion. On va chercher le camion. Et on est en mode... Ouais, on est en petite... Ouais, je sais. On a... Hop, les... Pardon. On est en mode discrétion totale aujourd'hui. On a décidé. Ça change. Et on va essayer de s'emparer, bien évidemment. Hop, les... Voilà, ça, ce sera une mission faite. Et j'ai une petite surprise après pour toi, mon petit Davian. Ouais. Hop, d'abord, je coupe la radio. On verra dès qu'on aura un peu de besoin de... Ah, pardon, c'était un... Ah, là aussi, pardon. J'ai... Le soleil m'a aveuglé, je n'ai pas vu. Mais, parce qu'ils veulent le kill, sinon. Donc, je te montrerai un peu la petite surprise, tu vas voir. D'accord. C'est assez malicieux. Malicieux. Oui. On va regarder ça. Hop, les... Et puis, tu vas voir un peu le... Je pense que ça va nous aider. Quand notre côté furtif... Enfin, j'espère, hein. Il y a une petite... petite astuce à faire. J'ai hâte de découvrir ça. Ah, un camion. Oh merde, un avion. J'ai stoppé le camion, mais pas l'avion. Ouais, bah l'avion, j'espère qu'il va pas nous tirer dessus parce que sinon, ça va faire comme la dernière fois. Exactement. Et puis là, j'ai rien depuis le camion pour l'avion. Ah oui, non, puis là, quand on est en mode furtif... Oui, je me suis pas équipé comme un... Oui, bah c'est pas... Écoute, hein, le mode furtif... Non, t'as pas de visuel. Non, tu vas pas nous allumer. S'il te plaît, non. Vas-y, garde-toi. Hop. Ça passe ou pas? Est-ce que ça passe ou pas? Je pense pas. Tu t'es accroché. Ah, t'es mort aussi, toi, je suppose. Ah, bah, direct. Ah, oui, bon, bah, voilà. J'ai pas eu le choix. Hein. Oui, de toute façon. Ah, j'ai entendu les petites musiques. C'est pas vrai. Si ça a marché, on est des dieux. On est des dieux. Ah, j'ai entendu la petite musique comme si. Est-ce que le jeu va être d'accord? Ça. Alors. Ça a l'air d'être bon. La mission principale n'est plus là. On a dû valider. C'est-à-dire, quand tu te fais tuer, t'as aucun moyen de savoir si t'as validé la mission quand même. Hein. Ouais, ça c'est chiant. Bah, si tu l'as pas en mission validée ou je sais pas quoi. Ouais, si, donc. Si elle est en cocher et tout, tu sais. Hop, munitions de mitraillette, c'est toujours bien. Et toi, par contre, on peut prendre. Ils ont dit que John voulait l'avion des rails. Mais Nick a refusé. C'est pas malin de sa part.
Ah, Nick Rai. Ok. Bon, bah ça va être la mission spéciale avion, mon cher ami. Donc, je vais te montrer un peu la petite surprise. La voici. Attention, t'es prêt? Oui. Et voilà. Ah, t'as lance-pierre. J'ai le lance-pierre, tout à fait. Et je pense que ça va être très rigolo. Oui, et puis, et j'espère aussi... Amuse-toi. Je pense que ça peut être... Déjà, j'ai plus besoin de munitions. Ça, c'est toujours cool. Oui. Comment ça, la mort vient du ciel? Oui, il y avait un avion. D'accord. Ah oui, d'accord, ok. Ah, il vient de faire péter un autre truc. Ce serait peut-être pas mal de sang. Mais il me fonce dessus, ce con. Bon, j'annonce. Au lance-pierre, ça marche pas. Attends, si il repasse, je vais l'accueillir comme il faut. Il repasse, excellent. Ah putain, il s'en est sorti. J'ai écrasé son avion, mais il s'en est sorti. Voilà. Et bon. T'es mort? J'arrive. Bouge pas. Je suis grièvement blessé. Oui, tu es juste grièvement. Oh putain, t'as une. Cette position, elle est géniale. Pardon. Position fétale. Ouais, non, c'est. C'était sorti comme ça du ventre de ta mère, je plains ta mère. Hein, parce que là, franchement. Ouais. C'est bon. Oui, je sais. Est-ce que j'ai des munitions spéciales pour. Oh! Je peux tirer des. Oh putain, je peux tirer des flèches avec le. Oui. C'est bon ça! Donc même des flèches explosives s'il y a besoin, c'est bon ça. Et donc oui, j'avais... Attends, il y a un pilote d'avion qui nous agresse. Eh, mais fallait me le laisser, j'avais lance-pierre. Ah, pardon. Faut que je teste. Mais alors, le pilote d'avion, non, il avait... je l'ai tué. Ah, bon. Ah, il y a un chien. Bravo. J'ai une chien. Je te laisse le gars. Vas-y, amuse-toi. Ouais. Ah, ça fait très bobo, hein. C'est vraiment fait pour le furtif, par contre, hein. Pour le furtif à 2 mètres. Ouais, là, c'est vraiment... Et j'espère justement pouvoir attirer l'attention des gens. Attends, j'attends qu'il termine de parler, parce qu'il... Vas-y, vas-y. Blablabla. J'essaie de faire des exécutions, puis ça va partir. Ouais. Là, c'est des copains. Oui, je sais. Ça y est, c'est fini. Ok, bon. Et donc, j'espère que ça pourra être utilisé aussi pour détourner l'attention des mecs. Ouais. De loin, tu vois, comme ça permettra de vraiment de. Tu te recharges et puis on y go. Ouais, on va chercher les munitions. Bah, ça va, je et en plus, j'ai pris le. J'ai pris la peinture pharaon la plus chère pour un lance-pierre parce que c'est la classe. Ouais, c'est ça, exactement. On y va comment? Bon, on peut y aller à pied, c'est à 600 mètres, c'est pas loin. Ouais, si tu veux. Et puis il y aura des trucs à libérer sur place, comme ça. Yes. Allez, bon. Allez, on court, on est bien. Ouais, j'ai un truc allumé. C'est pas un vrai snipe. D'accord. Voilà, comme ça, ça fait le taf. Oui, ça suffira. J'ai un shotgun, j'ai un petit PMG et j'ai un pistolet. C'est parfait. Donc moi j'ai un arc, la mitrailleuse. Oh! Ah! Dépôt! J'ai quoi là aussi. Bon, loupé. Il y a mon tuto lance-pierre. Oui, je pense que c'est pas pour tout de suite, effectivement. Voilà. Non, ça servira vraiment à... Oh là, c'est... Ah! Non, c'est pas par là, non, c'est pas par là, c'est bon. C'est plutôt calme, on est bien, c'est bucolique, c'est le matin. Ah, il y a un hélicoptère. Ah, je peux faire comme Rambo! Oh, ouais, attends, si j'arrive à détruire un hélicoptère comme Rambo, là, c'est prestige. Ah! Peut-être pas.
Ah non, je l'aurais pas. Il est déjà descendu. Allez, on passe en mode fufu, attention, parce que là, les balles sont réelles. Et je rappelle qu'on est en mode difficile. Donc on est vraiment fait là. Putain mais... Ah merde, y'en a un qui m'a repéré. J'ai pris un coup de batte dans la gueule. T'as pris un coup de batte dans la gueule? Bande de salaud. J'arrive. Pas de soucis. Fais gaffe, y'a le mec à la batte qui te vient sur la gueule. Ah merde. Il m'a eu. Il est crité. Oh putain, il m'a eu. Ouais. Je te ranime. Ouais, je veux bien. On va peut-être se mettre à l'abri, qu'est-ce que t'en penses? Wow. C'est pas mal. C'est accessoire. Bon, eh, fufu, c'est mignon, mais ça va 5 minutes. Hein. Voilà. Ah, j'en ai eu un à la tête! Tiens! C'est moi. C'est bon ça. Oui, c'est effectivement, c'est pas mortel le lance-pierre. Hein. Moi, je trouvais que c'était naze. Quand oui. Non, j'avoue, je suis un poil déçu du truc. Faudra vraiment essayer quand on est en. Ouais, je pense que c'est bien, tu sais, pour détourner l'attention, quoi. Bon, on va passer aux choses sérieuses. Crocheté, c'est bon. 250 de munitions, on est plein. On s'en fout. Il y a une belle lettre. Ah, c'est tous les. Oh putain, c'est tous les prénoms qu'il a. Qu'il a choisi. C'est très original. Il y a une caisse. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Un peu d'argent. Non, alors. Bon. Ouais, bah t'inquiète. On va y aller. Je lui parle. Ouais. Faut que je le retrouve, c'est notre seule chance de nous tirer. Je m'en chargerai bien, mais ma femme est sur le point d'accoucher. Je sais pas vraiment quoi faire. Sérieusement, sans cet avion, on est juste foutus. Pitié, ma famille a besoin de votre aide. Il me fait penser à quelqu'un, un acteur, mais tu sais, je vois limite bien comment il s'appelle. Ah, Mark Wahlberg. Ouais. Pas un point de vue physique, mais d'un point de vue mentalité, tu vois. Et d'un point de vue physique, je sais pas trop. Ouais, on va suivre, bien sûr. Physique, Ryan Reynolds. Oui. Ouais. Il ferait bien le taf, effectivement. Il faut qu'on aille 700 mètres par là-bas. Et bah écoute, on va peut-être prendre la voiture. Je vais juste m'équiper, voilà, d'un vrai flingue, parce qu'effectivement, le lance-pierre, c'est mignon. Mais ça va 5 minutes. Hey, c'est pas mal ça. Des trucs, je peux porter 9 dynamites et tout. Ah, c'est bien ça. Ouais. Allez, on y va à la mode américaine. Droit devant. Ah, bah non. pas forcément parfait. Ça passe dans l'eau, tu penses? Non. Tant pis. J'aurais peut-être dû prendre la route. Je pense que c'était une bonne idée. Ça, c'était une bonne idée. Bon, écoute, c'est pas grave. Hein. C'est l'aventure. C'est les États-Unis. On a le droit. À 400 et quelques mètres. Attends, je suis plein de tout, en fait. Je peux même pas... Ah bah si, ça fait découvrir des nouveaux lieux. Ah, attention, il y a quelqu'un qui peut nous voir, apparemment. Un avion qui bade. Ah, peut-être. J'ai eu un petit indicateur d'alerte. Ouais, moi aussi. Ah oui, c'est l'avion. Hop.
Le quai à bateau des Cides, c'est parfait ça. Je sais pas comment ils font dans les jeux vidéo, les mecs ils tiennent la respiration mais comme des dieux. Moi tu me plonges la tête sous l'eau pendant 30 secondes, je meurs. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Pas de coffre? Non. Non, pas grand chose. Ouais, non, que dalle, franchement. Ah ah! Bouquet de fleurs, ok. Allez. Hot. Ah bah c'est un avant-poste à libérer aussi ça, le... Ouais, un avant-poste juste. Ah, ça y est, je crois que je l'ai eu. Dépôt, ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh! Ok, ça c'est des pignoufs qui s'entraînent. Il va déjà faire nuit? Ok! Ok! Alors, on y va. Je m'occupe de la première alarme. Ok, il y a une autre maison, je me dirige vers elle. Et d'une. Il en reste encore une. Ok. Je la vois là au milieu. Ok, vas-y, je te laisse. Je te laisse t'en occuper. Pas loin de moi qui me regarde. Est-ce que je la vois? Ouais. Je l'ai eu. Ok, parfait. Y a un mec qui m'a tiré à tuer là? C'est moi. Ok. Ah bah eux, t'as été repéré, d'accord. Ah! Non, je peux. Ah bah y'a des mecs qui courent de partout là. Oui, je les ai affolés. Pas pareil. C'est parti! Tant pis pour le mode fufu. Vas-y. Appelez vos potes à l'aide. Joli. Joli. Tu l'as vu se faire faucher. Ah ouais ouais, c'était magnifique. J'étais sur le point de lui tirer dessus. Je crois que la première mission, je l'avais pas libéré exprès ce truc. Je l'avais... J'avais fait à toute fin. Ouais. C'était obligé de passer là-dedans. Là, ça va juste lui foutre la gnaque. Oh, fusée! Ouais! Qu'il la vénère. Hein. Si tu connais un peu Grace, tu sais qu'elle plaisante pas. Le matos qu'elle a planqué chez elle doit être exceptionnel. S'il a survécu à l'incendie. Ok. Une cage de survivaliste à débloquer, comme ça c'est fait. Il y a un coffre ou pas dans le coin? Je pense, il doit y en avoir un. Il y en a un quelque part. Ouais, ça doit être dans celui-là, je pense. Oh, America! Ah non, je peux pas rentrer. Pas de coffre, des munitions de partout, ça c'est bien, mais on s'en fout. L'avion est là, c'est très bien. Ouais, je crois que j'avais réussi à l'utiliser en mode... Ah oui, le coffre, il était là, oui. Bien joué. Ah, il y a de l'argent dessus déjà. Non. 250, ce prestige. Eh ben, on est bon. Yes. Allez, c'est parti. Est-ce que tu peux rentrer avec moi? Oui. Excellent.
suite je sers à rien. Mais voilà. Alors, accélérer, ralentir, roulis gauche, roulis droite, C descendre, X monter. Ok. Télégérer, température chaude, tout ça, parce que moi je ne suis que spectateur. Oui, oui, y a pas de soucis, t'inquiète. Ah, c'est chiant. La deuxième place, c'est une bonne creuse ou un truc. Parce que... ouais. Là, c'est la position. Attends, là, il faut que je pilote sur des trucs. Ouais. Comme moi, je me coupe derrière. Mais d'être sûr, ah, là, l'avion, encore, je trouve que ça va. C'est l'hélico qui est bien. L'hélico, il est ultime. Alors par contre, ouais, effectivement, maniabilité, c'est juste horrible. Je sais pas pourquoi ils ont fait un truc aussi difficile. Ouais, c'est juste chiant. Je le trouve pas intuitif aussi. Ouais, c'est ça. C'est autant l'hélicoptère, bon, tout y fait. Mais ah, l'avion, c'est non, c'est pas... L'avion serait déjà parti en tonneau s'il y avait un problème. Bon, faut croire que la secte a quand même des pilotes compétents. Voilà. Alors c'est une séance de gameplay là. Hein. Restez à basse altitude. Voilà. Ça va être une vidéo passionnante. Oh là, oui, tu m'étonnes. Restez là, on est furtif à bord d'un avion. C'est, ouais, c'est ça, ouais, ça va pas être... Les cinglés doivent être sur le cul. Bah ils sont tous morts donc forcément. Mais par contre, ils ont fait un effort méritoire sur les acteurs de. Non, ça c'est vachement bien. Entre les textes et tout, toutes les missions annexes à la croix. Ouais, l'ambiance y est, c'est vraiment très très bon. Hein. C'est. Le 4 est bien aussi, j'aime bien le 4. Il y a plein de trucs chiants des précédents qu'ils ont tirés, tu sais, ils ont bien épuré sur des trucs relous. Ouais, ils en ont fait un bon. J'avais joué un peu aux 3, c'était chiant de récupérer la chasse, les trucs. Toutes les plans, les machins. Ouais. Qu'est-ce que c'est obligé. Ouais, c'est obligé, puis tu passes 15 ans, en fait, tu passes plus de temps à aller faire des cueillettes qu'à aller faire des missions. Ouais. C'est gentil. Ah, le 4, moi j'ai bien aimé parce qu'il est vraiment très très beau d'un point de vue graphique. Ouais. Et les missions principales, au moins, tu les déclenches quand tu veux. T'as pas, ça se vient pas vers toi. Enfin, les événements. Oui. Donc ça, c'est pas mal. Ça te permet de te stuffer, d'être bien balèze avant de faire quoi que ce soit. Des fois même un peu trop, d'ailleurs, mais bon. Ouais. Tu peux un peu abuser un peu de la croix. Oui, ouais, là, c'était un peu... Je faisais pareil au XCOM 1 et 2. Oui. Je fais la première run dans le jeu normal et tout. Puis deuxième, tu sais que t'as des événements à tel endroit et trucs. Et tu les retardes au maximum pour être super balèze. Et puis ils arrivent et tu t'enchaînes. Ouais. Bon, tant mieux, c'est ta deuxième partie, t'as déjà vu le truc. Voilà. Ouais, c'était un plat, j'en avais chié. Alors on fait ça. Ouais, on va se calmer, hein. Parce que les cascades Clutch Nixon à bord de d'un avion, c'est pas ça du tout, hein. Avion, bon, je sais plus comment on fait, c'est pas grave. Voilà. Un truc avec F. Ouais, peut-être, je sais plus. Enfin, moi, chez moi, c'est F. Non, moi, c'était pas, c'était autre chose. Oui, quand je dis F. Touché en roquette, donc je sais pas. Ouais, mais je sais plus ce que c'était. Bon, c'est pas grave. Il est bon, c'est un canon Gatling qu'il a en fait. Hein. Voilà. Ouais, tout de suite. Hop.
Ouais. On ralentit. Un atterrissage d'enfer, partenaire. Merci. Portez-moi l'avion, je vous ferai signe. Yeah. Sans problème. Yes! Ben voilà, facile! Ouais, heureusement que c'est toi qui pilotes. Ah mon dieu, j'y crois pas! Putain de merde! Il est bon! Vous êtes top, merci! Alors, celui de Jackass, il faut le faire. Ah oui, pas bête! Oui, oui, je sais plus son nom. L'autre là, je sais plus comment il s'appelle. Ah oui, 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 effectivement, je sais plus son nom. Mais... celui du dernier rempart, ouais, c'est lui physiquement et tout, ouais, non, ils ont dû s'inspirer de lui. Ouais. Je dois dire, c'est la première fois depuis longtemps que j'ai l'impression que la chance est vraiment de mon côté. Putain de taré. Alors, c'est vrai que je pourrais passer la vidéo. Bon, on a bientôt. Ouais, on termine ça et puis. Vous savez, on fera une petite pause. Depuis trois générations. Yes. Vous vous rendez compte? Kim, tu te dépêches? Oui, j'arrive. Ah, je vous jure, les femmes, des fois. Enfin, mon grand-père a dégoté cet engin juste après la guerre. Il était super fier. Il a fait quelques modifications au fil du temps. Bah, Dagatlin, déjà, je pense que c'est Kim, pas, c'était pas dessus. Ah oh. Eh ben, on va faire une petite pause après, hein. C'est vrai. Et vous d'en bas, vous en dites quoi, partenaire? Check up, allez, c'est parti. Sors-moi d'ici jusqu'à mon retour. Eh bon bah c'est parti. Au lance-pierre. Non, pas au lance-pierre. Comme tu veux. Non, non, non. Non, non. Non, non, faudrait que je prenne des flèches explosives par contre. Bon allez, c'est parti, on va sécuriser. J'arrive. Ils sont où ces cons? Ça tire de partout mais je sais pas d'où ils viennent. Ah si, de l'autre côté en fait. Ah mais il est là. Il était à l'intérieur de la baraque. Yes. Voilà. Putain, je vois rien. Ah, les cons avec leurs grenades. Ils sont beaux, hein. Ok. On arrive. On arrive. On arrive. Ouais, je crois que je vais survivre. Toi, par contre... Oh! Reculez! Je vais désinguer les snipers qui sont sur le toit! Je veux bien! Ah oui, c'est vrai qu'il y en a là-bas, ouais. Ils sont pas déjà morts, ces cons d'ailleurs? Ouais, joli! Voilà! L'autre il va aider son copain. Ouais, bah tant mieux qu'il aide! Tu te prépares à le sniper? Oui. Oh la vache, c'est un oh putain. C'est tir. C'était magnifique. Ah. Hop là, ça c'est fini. Acha. Et mort. Qu'est-ce qui arrive par la piste? Oh là! Les gars! Attention,
Ouais, t'inquiète. Ils sont déjà morts. Ils sont déjà morts. Ah bah oui, un peu, ouais. Ok. Ouais, j'avoue, j'ai eu moins de difficultés qu'avant. Ouais. Même en mode facile, je sais pas. Alors, on a la vidéo sur les événements professionnels. Oh, elle a la même coupe que moi. Oh, vous êtes mignonne. Ouais. Blablabla. Ouais, bon. Tu veux vraiment tirer un trait sur tout ça? Oh, pardon, je coupe, hein, mais c'est. On connaît. Tu... Ouais. Hi-ha! Et voilà, ça c'est fait, c'était facile. On peut aller choper les cadavres s'ils sont encore là. La famille Ray était installée ici avant même la fondation de la ville. J'ai partagé des nuits de beuvre immémorables avec le père de Nick au Spread Eagle. Nick, c'est un bon. Ouais. Fais bien sur lui, d'accord. J'en profite pour. Il y a des cadavres un peu partout, j'en profite toujours pour... Ok. Ah bah, il y en a encore là ici? Ah bah non, ils sont scénarisés, eux. Qu'est-ce que je voulais en profiter pour faire? Est-ce que... voilà. C'est cool, les drogues, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai jamais vraiment joué à fond les drogues. C'est pas un truc qui me botte. Alors, ça c'est bon. T'as tué qui là? Non, c'est les résistants, ils sont sur J.I. Ah, d'accord. Je suis frustré. Il y a une cache de survivalistes qui se débloque si on parle à Gugus. Toi, les Lorraine nous ont informé. Dis-moi tout. Que mon cœur était compromis. Une inondation. Ils ont vidé les lieux, mais ils nous ont dit qu'on pouvait se servir si jamais on trouvait quoi que ce soit. Eh ben, c'est sympa. Eh ben, écoute, on va s'arrêter là, immédiatement, tout de suite, parce qu'on est bien, on est protégé. On fait une petite pause et puis on reprend de suite. Allez, ciao ciao.